Là, c'est la fête du basket. Il y a plein de matchs. Et là, il y a des danseuses qui sont venues et tout le monde commence à venir. Vas-y, hein. On est extrêmement fiers du club de basket des Hauts-de-Rouen qui depuis 3 ans maintenant s'organise, se structure, organise cette compétition conviviale, dans la bonne humeur, en musique. Et bien ça c'est vraiment une belle attractivité pour le quartier, une belle image du sport, une belle image du basket. On est extrêmement heureux de soutenir le club tout simplement, que ce soit la ville, la région et tous les partenaires. Voilà, l'objectif c'était de faire une fête et une fois de plus, elle est réussie. Ça a été violent. Aux Jeux Olympiques, pendant 15 jours, il y a le village olympique. Et dans le village olympique, vous avez toutes les nations du monde. Vous avez des blancs, vous avez des noirs, vous avez des marrons, vous avez des jaunes, vous avez toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les cultures, vous avez tout le monde entier qui est représenté. Et en réalité, pendant 15 jours, tout ce monde-là, avec ses différences, il est capable de faire le plus beau spectacle du monde. Ça prouve bien que lorsqu'on a une passion commune, lorsqu'on est capable de faire des choses ensemble, on réussit, l'humain réussit en général. Voilà. Et moi j'ai remarqué qu'il y avait une richesse dans ce village olympique qui était incroyable. Et elle réside justement dans cette différence. Les différences qu'on peut avoir les uns les autres, en réalité, c'est une richesse, c'est un avantage, c'est un atout. Voilà. Parce qu'on fait progresser les autres en les regardant, en les écoutant et en les comprenant. Et quand on fait progresser les autres, on progresse soi-même. Et vice versa, ça a des chances. On nous laisse confier dans nos thèses, mais nous on aime notre vie. Quand pour d'autres, elle est synonyme de stress. Non, chez nous c'est multicolore et varié. Sont les parfums que tu pourras sentir sur nos paliers. Yo, quand tu vis ici et qu'on te dit t'es pas chez toi, que tu retournes là-bas et qu'on te dit t'es plus chez toi. Dis-moi, il te reste quoi à part toi, ta famille, si t'en as une. La foi comme seule arme et fortune. Chez nous tu seras toujours bien accueilli. Loin de la ville de Neuilly, plat de riz ou de nouilles. C'est dans la différence de culture qu'on baigne et qu'on se mouille. Viens sentir cette chaleur humaine qui peut parfumer la vie comme le riz et le cumin. Sans rire, on est humain, héritier d'une culture goût de sable. Et pour qu'on soit amis, la cartelle Roy de lui.
partir de ça à 10h. Et on va se promener aussi en bas parce que le train vient à 15h. C'est le dernier jour. On dort à Rouen ce soir. Marseille, c'est une bonne ville. J'ai fait un bon stage, j'ai passé de bonnes vacances. Et vraiment l'OM, chapeau. Vraiment l'équipe de Marseille, merci. Et j'ai vu mes potes de l'OM, c'est des Benjamin. Et aussi j'ai vu mon entraîneur avec qui je me suis entraîné lundi. Et il m'a dit qu'il aimerait bien que je vienne obligatoirement à l'OM avec lui. Et en même temps, comme ça, c'est lui qui va m'entraîner avec les Benjamin. Là, nous sommes arrivés à la gare, on est en train d'attendre le train. Là, j'en profite pour manger, pour boire et pour lire le journal aussi, le journal de foot. Aujourd'hui, il y a Marseille-Montpellier qui joue, donc là, il y a plein de supporters qui sont ici. Bon là comme le train ne vient pas tout de suite, il vient à 15h, j'en profite en dehors de la gare de jouer taper au ballon. Et à côté de moi j'entends des applaudissements, des ouais. Il y en a qui venaient prendre des photos avec moi, il y en a qui venaient me donner des échats et il y en a qui donnaient de l'argent, et pour l'argent leur copain il a dit non. Et c'était vraiment sympa de leur part. Il y en a qui m'encourageaient. Il y en a qui me disaient faut réussir à l'école. C'est important. Et aussi le football aussi. J'aime bien cet esprit marseillais. Parce que c'est la convivialité. C'est l'accueil. C'est la chaleur. C'est le soleil quoi. Et c'est ça le football. En tout cas, je me suis bien amusé, je me suis bien régalé. Et je remercie beaucoup Freddy Assolen qui m'a envoyé une invitation pour le film. Aurélien, alors. Attends, je pars mes objets. Alors, le qui suis-je ? Aujourd'hui, nous recevons Illiman. C'est le jeune garçon qu'il y a dans le public qui a là, qui a 11 Illiman. Ans. Lève-toi, tu peux Illiman. Te lever. Regardez. Il est là. Ce garçon fait quelque chose d'exceptionnel, évidemment, dans sa région. À travers trois indices, nous allons essayer de deviner, vous aussi à la maison, de quoi il s'agit. Alors, allez-y. Premier indice, il a eu 11 ans il y a quelques jours, Illiman. Premier indice, oui, ce journal, regardez. La une de Normandie, c'est important, ça, Jean-Loup. Hein, oui, de Coupe du Monde. Voilà, c'est le journal important d'ici, Paris-Normandie. Alors, Paris-Normandie, regardez ce qui a marqué, il rêve de Coupe du Monde dessus. Ah, oula. C'est ça, un ça boxeur. Et non. Non. C'est un quoi jeune, Illiman, hein. Non, est-ce qu'il a un qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Montrez-nous un deuxième élément. Je cache l'indice. C'est la Coupe du Monde. Alors, la coupe. C'est la Coupe du Monde. On la reconnaît. De quoi? À quoi il joue? Bah ça, ce que vous avez dans les mains, non? À quoi j'ai quoi dans les mains? Au foot. Il joue au football, Illiman. On peut appeler ça un champion, je pense. Vous allez voir. Fais-moi une petite place, Illiman, pardon monsieur, voilà, très bien. Alors, tout a commencé, il avait un an, Illiman, un an seulement, un an, il s'est rendu au Sénégal chez son grand-père, et là, il a commencé à dribbler avec tout ce qu'il trouvait dans la maison. Et là, son grand-père lui a dit, il faudrait peut-être qu'on lui achète un ballon, et tout commence ici, c'est une véritable star sur Internet, parce que si vous allez sur Internet, vous tapez son nom, vous allez tomber sur ses vidéos, sa spécialité c'est... Illiman, quelle est ta Illiman, spécialité? Demande-lui. Le dribble. Je crois le que dribble. C'est. Il le dit. Il le dit, mais on va faire une démonstration tout à l'heure. Je pense que Laurent prendra la contribution. Vite, oui. Qu'est-ce qui te plaît dans le foot? On va voir quelques images de toi d'ailleurs. Raconte-nous un petit peu. Donc, il joue au FC Rouen, bien sûr. Il est né ici et il joue depuis des années ici. C'est une graine de champion. Alors, c'est quoi ces images, Illiman? Tu nous dis un petit peu ou tu veux jouer directement? Non, il a envie de jouer. Il a envie de jouer. Oui, il était. Alors voilà, regardez le dribble là que vous voyez à l'écran. Il a été
Regardez ce dribble. Ça, c'est en foot en salle, hein, c'est ça, Iman? Oui. Il y a une différence entre le foot classique et le foot en salle? Ouais, c'est que le foot en salle, on joue avec des chaussures normales, sans crampons. Ouais. Et sur le terrain, on joue avec des crampons, en dehors. Eh oui. D'accord. Il a été champion l'année dernière de foot en salle d'ailleurs. Mais c'est un grand champion. Il a 11 ans, hein. Et vous allez voir, vous allez, parce que il vaut mieux le voir directement jouer, Laurent. Ouais, ouais. Vous voulez regarder avant d'essayer ou vous voulez essayer d'abord? Je vais essayer avant parce qu'il va me mettre une tannée. Voilà. Vas-y. Tu le regardes et tu fais comme lui après, hein. Allez. Regarde bien comment je fais, Iman, hein. T'es d'accord? Et après, tu me suis, hein. Ah, voilà. Pas mal. Voilà. Ça, c'est du dribble. Donc là, super. Bravo. Et là, maintenant, on va voir Iman, alors. Maintenant, Iman, 11 ans, à toi. C'est tout. Alors, Iman, quand tu veux. Ah. On l'appelle le futur Zizou. C'est le futur Zizou, regardez. Hop là. Maradona, le petit Zidane, enfin vous mettez le qualificatif que vous voulez. Hop là, regardez cette figure. Hop, et ouais. Et il est de Rouen, voilà. Iliman a 11 ans, hein, on vous il le rappelle. Il a 11 ans. Caméra quand même. Il est formidable. Iliman, hein. Ce qu'il faut dire aussi surtout, c'est que c'est sa première télé. Alors rendez-vous dans, allez, on va te donner 10 ans, 15 ans, papa, on lui donne 10 ans. Ça sera sa première télé, ça sera dans Midi en France, voilà, c'est tout. Bravo Alien, bravo Iman. C'est très impressionnant, hein, le petit Iman, 11 ans. Si vous voulez en voir plus, regardez, il y a des démonstrations, vous tapez Iman sur un site. Dans tous les grands sites, voilà, vidéos vous tapez sur Iman et ça marche. Oui, le Pierre, père d'Iman me confiait en coulisses tout à l'heure que lui-même était chorégraphe. Et je trouve que dans les premiers mouvements que tu faisais, il y a quelque chose de danser vraiment. Hein. Ou est-ce que le papa a dû passer par là, je pense. Oui, ouais, absolument, c'est de la danse, regardez, il est formidable. Et puis là, on a vu vos œuvres comparées à celles de ce petit garçon. Ce matin, j'étais meilleur à la répète. Ouais, vous étiez ridicule là. Non, là, j'étais ridicule, mais bon. Et j'adorais ça aussi quand j'étais gamin, Jean-Loup. Oui, je me demandais à quel âge, par exemple, Amaury Vassili avait découvert pour lui la voix, à quel moment, parce que là, on a un champion de 11 ans. Pas aussitôt.